Bonjour et merci du privilège que vous me donnez chaque fois de venir chez vous par ce moyen, par Skype. Et vous me recevez, je pense, 10 sur 10, en tout cas 9 sur 10. Le thème de la réunion ce matin, de cette première réunion, c'était la joie, je pense, le bonheur, la joie. Êtes-vous joyeux? J'ai pas entendu. OK. Le thème du message aujourd'hui, c'est dans quelle dispensation vivons-nous présentement? Je pense qu'on vit dans une merveilleuse dispensation. Vous allez voir dans un instant. Si vous avez votre Bible, je vous inviterai à l'ouvrir dans Actes 15, les versets 14 et 18. Mais je vais quand même le mettre à l'écran. Je vais mettre les textes à l'écran. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Actes 15, 14 à 18. Premièrement, il est important que vous sachiez où je me situe personnellement par rapport à mon engagement comme chrétien dans l'enseignement de la parole. Un jour, je me suis engagé dans la foi, par la foi, à mettre toute ma confiance dans l'inspiration et l'autorité des Saintes Écritures. Mais ensuite, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, comme le reconnaître comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Je crois à la prêtrise de chaque membre né de nouveau. Je bénéficie de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit qui m'habite. Sûrement que vous partagez ces choses avec moi aussi dans votre propre vie, plusieurs, sinon la plupart d'entre vous. Je partage la bonne nouvelle de l'Évangile. Je crois à la sécurité éternelle de chaque croyant qui est entré dans la grâce de Dieu. J'affirme l'importance des prophéties bibliques et la révélation connue du plan de Dieu. Je crois que l'Église sera enlevée avant le millénium. Pour le dire plus précisément, je suis pré-mille. On va en parler plus tard. Je crois au futur d'Israël, comme Dieu l'a promis à Abraham concernant tout leur territoire dont ils sont les héritiers. Je crois à la reconnaissance des différentes époques dans l'administration divine, telles que les différentes dispensations. Les Saintes Écritures divisent les temps en sept périodes qui ne sont pas du tout de même durée, généralement appelées dispensations. Le temps divisé en sept périodes distinctes s'étend de la création jusqu'au nouveau ciel, aux nouvelles terres. Lire Apocalypse 21, verset 1. Vous n'avez pas le temps de chercher les textes. Je vais quand même vous donner les références chaque fois. Et je vais mettre le texte autant que possible à l'écran. Cette période-là, il s'agit d'une époque d'espace, les dispensations, d'un temps spécifique au cours de laquelle Dieu administre sa souveraineté sur le monde. Au fil des années, Dieu a négocié avec l'homme de façon différente selon diverses périodes de temps. Et je vous dis que j'ai dû consulter plusieurs commentaires sur le sujet. Mais déjà plusieurs années, il y a plusieurs années que j'avais étudié le sujet, et ça faisait longtemps que j'avais pas parlé là-dessus. Et j'ai appris, par exemple, que, pardon, John Nelson Darby et Cyrus Schofield sont les initiateurs de cette théologie, mais les dispensations étaient déjà dans les Saintes Écritures. Plusieurs chercheurs bibliques ont étudié et développé le sujet
des sept dispensations. Et vous allez être content de voir sa photo, dont M. Roy Buttery, que j'ai rencontré chez lui il y a quelques semaines. Il est assez modeste, M. Buttery, mais c'est un expert, c'est un spécialiste sur les études de l'eschatologie puis des dispensations en particulier. Et j'aimerais le remercier en public de tout cœur de m'accorder pleine liberté de puiser dans ses immenses recherches, dont l'eschatologie et les dispensations. Roy m'a proposé et nous propose un livre du docteur Charles Reilly, qui est professeur à Dallas Theological Seminary. Et pour lui, c'est vraiment le classique sur le dispensationalisme. Le docteur Charles Reilly de Dallas Seminary est un expert sur ce sujet complexe mais fondamental, entre autres, pour bien interpréter la parole de Dieu. Il s'agit souvent de placer le passage biblique dans son contexte approprié des dispensations. Et Scofield écrit, parce que j'ai consulté, comme je vous ai dit, plusieurs, pour me faire une bonne idée des dispensations, des temps dans lesquels nous vivons, que nous avons vécu, que nous vivons, que nous vivrons. Scofield écrit, on reconnaît, je vais revenir un petit peu en arrière ici, on reconnaît ces périodes-là dans l'Écriture par un changement dans la méthode de Dieu, d'interagir avec l'humanité, ou une partie de l'humanité, à l'égard des deux fameuses questions, le péché et la responsabilité de l'homme. Il ajoute, chacune des dispensations peut être considérée comme un nouveau test de l'homme naturel, et chacun se termine dans le jugement, l'homme accusant un échec total dans chaque dispensation. Donc, ces cinq dispensations, il continue en disant, aux périodes de temps, ont déjà été remplies. Nous vivons dans la sixième, probablement vers la fin. Devant nous à venir la septième et dernière, le millénium. Le message de Dieu est toujours le même. Et voici ce beau verset que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Hébreux 13, 8. J'espère que la petite voix que vous entendez en écho derrière ne vous dérange pas trop. J'ai oublié de fermer le téléphone. C'est un message de réconfort. Les gens peuvent appeler continuellement à ce numéro-là. Je ne vous donne pas le numéro pour pas avoir d'autres appels. Mais ça donne que quelqu'un vient d'appeler pour entendre l'Évangile, mais par téléphone cette fois-ci. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu sera toujours le même, c'est-à-dire dans sa nature, il sera toujours saint, pur et juste. Il a toujours été, il le sera toujours. Aujourd'hui, nous diffusons la bonne vieille parole de Dieu en utilisant tous les moyens modernes de communication, la preuve, le téléphone, Internet et tous ces moyens-là, la bonne vieille parole de Dieu qui est prêchée par ces moyens modernes. Selon les circonstances ou le temps, Dieu a voulu communiquer aux hommes de différentes manières. Par exemple, j'aimerais que vous compariez ici deux textes avec moi. Premièrement, dans Luc 10, 2 à 4, vous allez voir Jésus-Christ. Dans ces deux circonstances, de ces deux événements, le Seigneur agit différemment avec le groupe. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, hein, pas de sacoche, pas de portefeuille, ni bourse, ni sac, ni souliers. Et puis ensuite il dit et saluez personne en chemin dans Luc 10 2 à 4. Et maintenant versus cet autre texte dans Luc 22 versets 35 et 36. Il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Il leur dit: maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac
le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Voyez-vous, deux fois, il s'adresse différemment selon les circonstances. Jésus ne se contredit pas ici. Mais on doit toujours considérer à qui il s'adresse et à quel moment dans le temps. Ça nous aide à bien interpréter la parole de Dieu. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons nous limiter à introduire sept grandes époques ou dispensations de base. Quelquefois, elles se superposent et peut y avoir chevauchement entre les différentes époques. Alors, faisons un survol. La première dispensation est appelée la dispensation de l'innocence. Et nous voyons dans cette dispensation, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger, c'est-à-dire tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dans Genèse 2, les versets 15 à 16. Et le verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. » Dans 100 ans, il n'y aura pas grand monde ici, là, dans la salle. Genèse 2, 17. Cette dispensation-là couvre la période d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans cette dispensation particulière, les instructions de Dieu étaient « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Autrement dit, vous allez avoir des enfants et la population va grandir. Cultivez la terre pour la nourriture. La responsabilité sur les animaux. Prendre soin du jardin. S'abstenir de manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Dieu les avertit de la peine de mort physique et spirituelle s'ils désobéissent à cette directive. Cette première dispensation était de courte durée et a pris fin par la désobéissance d'Adam et Ève. Ils ont effectivement mangé du fruit défendu. Et leur expulsion du jardin s'en est suivie. Avant d'aller plus loin, il faut dire que les dispensations quelquefois concernent soit un couple, comme nous avons parlé maintenant d'Adam et Ève, ou une famille, ou toute la race, soit un peuple particulier, par exemple Israël. Puis, que dire du salut? Ça, c'est très important ce que nous allons voir maintenant. Le salut ne diffère pas d'une dispensation à l'autre. Au cours de chacune d'elles, l'homme est réconcilié à Dieu par un unique et même moyen, celui de la grâce de Dieu, en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ, accomplie à la croix et confirmée par sa résurrection. Avant la croix, l'homme était sauvé en prévision du sacrifice expiatoire de Christ. Nous avons tous les sacrifices d'animaux qui prédisent ça, et dès les premiers chapitres de Genèse, nous avons cette promesse du Messie. C'est ce sacrifice expiatoire de Christ par la foi, notre confiance mise en lui, mise en Dieu, en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Mais comme je dis ici, vous voyez, avant la croix, l'homme était sauvé en prévision du sacrifice expiatoire de Christ par sa foi, sa confiance en Dieu, sa conscience, son intelligence, en s'appuyant sur la révélation connue, encore partielle, direz-vous, que Dieu lui avait accordé. Mais depuis la croix, l'homme, la femme, l'enfant est sauvé, sont sauvés en mettant leur confiance et leur foi entièrement en Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Ils le reconnaissent après s'être repentis, après avoir réalisé qu'ils sont perdus sans Jésus-Christ. Il est le chemin. Ils le reconnaissent comme sauveur et Seigneur.
par un mot de prière sincère à Dieu. C'est en Jésus que la rédemption est parfaite. La deuxième dispensation est appelée la dispensation de la conscience. Elle a duré environ 1656 ans à partir du moment de l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden dans Genèse 3, 8 jusqu'à au chapitre 8, verset 22. Et cette deuxième dispensation démontre comment l'humanité contaminée par le péché, qu'elle a hérité depuis la désobéissance de nos premiers parents, se comporte laissée à elle-même, à sa propre volonté, à sa conscience. Les cinq principaux aspects de cette dispensation sont une malédiction administrée au serpent, un changement dans la condition de la femme et dans sa maternité. Vous en avez parlé un peu durant la première réunion. L'esprit nous dirige. Une malédiction sur la nature, l'imposition du travail sur l'humanité afin de produire sa nourriture et la promesse d'un Messie qui un jour écrasera la tête du serpent. Il y a un chrétien un jour qui a dit c'est à ce moment-là que les fers au talon vont revenir pour être sûr que Satan va être bien écrasé. Bon, farce à part, la troisième dispensation est appelée la dispensation du gouvernement humain qui a commencé dans Genèse 8. Dieu avait détruit la vie sur toute la terre par le déluge. Une seule famille a été sauvée de l'inondation planétaire pour redémarrer la race humaine. Alors voici les promesses et les consignes que Dieu donne à Noé et sa famille. Dieu ne maudira plus jamais la terre par un déluge. Noé et sa famille doivent être féconds pour remplir la terre. Ils doivent gérer la création animale. Ils sont autorisés à manger la viande. La loi de la peine capitale est établie. Il n'y aura plus jamais de déluge universel. Le signe de la promesse de Dieu est l'arc-en-ciel. Les descendants de Noé ne se sont pas dispersés pour remplir la terre comme Dieu leur avait ordonné, manquant ainsi à leur responsabilité dans cette dispensation particulière. Environ 325 ans après le déluge, les habitants de la terre ont commencé à construire une tour, un grand monument, exprimant leur solidarité et leur fierté. Dieu décide alors, « Allons, descendons et là, confondons leur langue, leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa sur la loin de la sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Genèse 11, les versets 7 à 8. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Meyama Fernando San Luis, qu'est-ce que tu dis là? What are you saying? Je comprends rien. Alors, ça a été vraiment, là, ici, Dieu met fin à la construction de leur tour, mais en même temps, crée les différentes langues et applique l'ordre de remplir la terre. Le résultat a été la montée des différentes nations, les cultures. À partir de ce moment-là, les gouvernements humains sont devenus une réalité et le début de grandes nations. La cinquième dispensation, la dispensation de la loi, elle a duré près de 1500 ans, de l'Exode jusqu'à ce qu'elle soit interrompue après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, il y a eu l'appel d'Abraham, une période que plusieurs considèrent même comme une dispensation en elle-même. Je la considère pas comme plusieurs ne la considèrent pas comme une dispensation parce que il n'y a pas un jugement à la fin de cette période-là. Elle s'est poursuivie tout au long de la vie des patriarches, puis il n'y a pas de jugement, comme je dis, à la fin de la période. Tandis que les autres ont tous une période de jugement. Donc, de l'Exode du peuple juif, de l'Égypte, une période d'environ 430 ans, au cours de laquelle Dieu a développé une grande nation qu'il a choisie comme son peuple.
Il s'agit de lire Genèse 12 là jusqu'à Exode chapitre 19. La promesse faite à Abraham, d'Abraham sortira une grande nation que Dieu va bénir de prospérité naturelle et spirituelle. Le nom d'Abraham sera d'une très grande célébrité. Dieu bénira ceux qui bénissent les descendants d'Abraham et maudira ceux qui les maudissent. En Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Ceci est accompli en Jésus-Christ dans son œuvre de salut. Le signe de cette alliance particulière est la circoncision chez les humains et de tous les mâles, je dis bien. Cette alliance qui a été répétée à Isaac et à Jacob se limite au peuple hébreu et aux 12 tribus d'Israël. Au cours de la dispensation de la loi, Dieu transige directement avec la nation juive à travers l'alliance mosaïque ou la loi, trouvée dans Exode, les chapitres 19 à 23. Cette dispensation-là implique les cultes au temple dirigés par les prêtres et aussi avec les porte-paroles de Dieu que sont les prophètes. Finalement, en raison de leur désobéissance à l'alliance, les tribus d'Israël ont perdu la terre promise, leur pays, et ont été soumis à la servitude. La cinquième dispensation dans laquelle nous vivons présentement, la dispensation de la grâce, elle a commencé avec la nouvelle alliance dans le sang de Christ. Il a pris de même la coupe après le souper en disant, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Luc 22, 20. Cet âge de la grâce ou âge de l'Église dans laquelle vous et moi nous vivons présentement, dans laquelle nous nous trouvons présentement, se produit entre la 69e et la 70e semaine de Daniel, chapitre 9, verset 24. Quand je viens sur la 20 vers Belœil, après Saint-Hilaire, la ville de Saint-Hyacinthe, c'est-à-dire à exactement 33 kilomètres, je vois le mont Saint-Hilaire, puis je vois tout de suite derrière le mont Bruno, mais ils ont l'air comme la même montagne. Et pourtant, il y a toute une vallée entre les deux, il y a plusieurs kilomètres entre les deux. Ceux de l'Ancien Testament n'ont pas vu cette période dans laquelle nous vivons. Nous lisons dans ce texte de Daniel, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Daniel 9, 24. Cette dispensation-là de la grâce ou de l'Église commence avec la mort du Seigneur Jésus-Christ et se termine avec l'enlèvement de l'Église. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, 16. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, donc qui seront encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Cette dispensation est mondiale et comprend à la fois les Juifs, les non-Juifs, les gentils, toutes les nations. La responsabilité de l'homme au cours de la dispensation de la grâce, c'est de reconnaître, de croire en Jésus-Christ, de le reconnaître comme sauveur et seigneur de leur vie, comme fils de Dieu. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Un des versets qui m'a touché, qui m'a amené à la conversion au Seigneur Jésus-Christ, Jean 3, 18. Dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, présentement, le Saint-Esprit est appelé aussi consolateur, habite dans le cœur de chaque croyant. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Jean 14, et versets 16 à 26. Cette dispensation dure depuis plus de 2000 ans et personne ne sait quand elle prendra fin,
Nous savons qu'elle se terminera par l'enlèvement de tous les croyants, nés de nouveau, de par toute la terre, pour aller dans un merveilleux paradis avec le Seigneur Jésus-Christ. La sixième dispensation est appelée la tribulation de la colère. Et ça, c'est pas drôle. Et il y a plusieurs textes bibliques, nous ne prendrons pas le temps s'écoule très rapidement. Vous m'avez pris 5 minutes au début, donc je le prends maintenant. Après l'enlèvement de tous les croyants, débuteront les jugements de Dieu. La grande tribulation aura une durée seulement de 7 ans. Dieu versera sa colère sur les habitants de la terre. Lire dans l'Apocalypse concernant les jugements à venir, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 144 000 juifs évangélistes qui vont parcourir la terre, du royaume de Dieu, sont envoyés par toute la terre pour évangéliser. Satan et ses anges seront jetés sur la terre au milieu de la grande tribulation. Et la 7e dispensation est appelée le millénium, que les trompettes claironnent, le royaume millénaire de Jésus-Christ va durer 1000 ans. Jésus-Christ va régner. Ce sera une théocratie sur toute la terre, avec Jérusalem comme capitale mondiale. Ce royaume terrestre d'une durée de 1000 ans sera une réalisation des prophéties faites à la nation juive, de la venue enfin de leur Messie et de leur roi, ainsi que pour tous les croyants, pour vous et moi qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, du retour glorieux en gloire du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Satan sera lié au cours de ces 1000 ans, de cette période. Cette période se terminera avec le grand jugement dernier. Puis, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Apocalypse 20, les versets 11 et 12. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Apocalypse 20, 13 et 14. À la suite de toutes ces dispensations, ce sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Lire Ésaïe 65, verset 17. Nous vivons encore dans la dispensation de la grâce. Le message de Jésus-Christ pour aujourd'hui, c'est « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut se le révéler, Matthieu 11, 27. Donc, le message ce matin pour chacun de nous, pour ceux et celles qui peut-être n'ont pas encore l'assurance de leur salut, c'est venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Oui, amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis-la, qu'elle pénètre dans notre cœur aujourd'hui, dans notre esprit. Précède-nous dans notre marche pour toi. Si quelqu'un n'a pas l'assurance de ce salut, qu'il se reconnaisse pécheur et perdu devant toi. Le seul chemin, la vérité et la vie est en Jésus-Christ. Le reconnaître comme sauveur et Seigneur de sa vie et commencer à vivre pour lui. Seigneur, nous te remercions pour ces choses. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen.